Bonjour les enfants, vous allez bien? J'espère, hein? Aujourd'hui, on va faire une activité sur la bande numérique. Avant ça, il faut que vous écriviez la date. Lundi 4 mai. Allez-y, écrivez la date sur une feuille. Voilà. Alors, pour la séance, vous allez avoir besoin d'une bande numérique avec les nombres écrits de 1 jusqu'à 20. Vous pouvez délimiter chaque nombre avec un petit trait au crayon de papier. Vous allez avoir besoin de bouchons, d'un petit sac avec des bouchons. Et pareil, vous pouvez écrire les nombres de 1 jusqu'à 20 sur chaque bouchon. On peut prendre des petits ou des grands bouchons, comme vous avez. Et ensuite, vous aurez besoin de maillots. Donc, vous pouvez redessiner les maillots et écrire les nombres de 1 jusqu'à 20. Nous allons jouer à un jeu qui s'appelle le jeu des maillots. Le jeu des maillots va pouvoir nous apprendre la bande numérique. Nous avons des maillots, on peut dire qu'ils sont accrochés sur une corde à linge. Nous avons un sac avec des jetons. Moi, j'ai pris des bouchons et j'ai numéroté de 1 à 10. Donc, le premier jeu. On retourne tous les maillots sauf le numéro 1. Si on joue à plusieurs, on fait chacun son tour. Le premier joueur, c'est moi le premier joueur, je pioche un jeton. J'ai le numéro 4. Je dois retourner le maillot numéro 4. Le 1, il est déjà retourné. Alors, je dois le trouver. Pour ça, je compte 1, 2, 3, 4. Je pense que c'est celui-là. Je le retourne. Oui, j'ai réussi. Je gagne le jeton. Si je n'ai pas réussi et que je me suis trompée, je remets le jeton dans le sac. Le deuxième joueur prend le sac et pioche un jeton. C'est le numéro 2. Il doit retourner le maillot numéro 2. Moi, je sais que c'est celui qui est après le 1. Alors, je le retourne. Oui, j'ai gagné. Je gagne le jeton. Le joueur suivant pioche un jeton. Vas-y. C'est le numéro 3. Tu retournes un maillot? C'est le numéro 5. Non, ce n'est pas le numéro 3. Ce joueur s'est trompé. On retourne le maillot et on remet le jeton dans le sac. C'est à mon tour. Je pioche un jeton. Le numéro 5. Le numéro 5, je sais que c'est celui qui est après le 4. Oui, j'ai réussi. Je gagne le jeton. Au tour du prochain joueur. Je pioche un jeton. Le numéro 3. Alors, où est le numéro 3? 1, 2, 3. Oui. Il est après le 2 et juste avant le 4. J'ai réussi, je gagne le jeton. Je pioche encore un jeton. Le prochain joueur pioche un jeton. Et c'est le numéro 1. Il est déjà retourné le numéro 1. Il fallait l'enlever. Oui, c'est celui-ci. Bravo. Tu gagnes le jeton. On pioche un autre jeton. C'est le jeton numéro 6. Alors, le jeton numéro 6, je cherche le maillot. C'est, je pense, celui après le 5. Oui, c'est celui-là. J'ai gagné le jeton. Je continue, je pioche un autre jeton, le jeton numéro 8. Alors, 1, 2, pour m'aider, je dois compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai réussi. 8. Je gagne le jeton. Je pioche un autre jeton, le numéro 7. Où est le numéro 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, le numéro 7. Il est là. J'ai gagné le jeton.
Je continue. J'ai pioché le numéro 10. Ah, le numéro 10. Est-ce qu'il ne serait pas le dernier? On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, c'est celui-là. J'ai gagné le jeton et je pioche le dernier jeton, le numéro 9. Je vérifie. Est-ce que ce n'est pas... Oui, le dernier maillot. J'ai réussi. Bravo. Maintenant, vous allez me montrer sur votre bande numérique le nombre 10. Super. Sur votre bande numérique, vous allez me montrer le nombre 16. Vous allez me montrer maintenant le nombre 5. Bien. Vous allez me montrer le nombre 12. Maintenant, vous me montrez le nombre 19. Ici. Super. Vous pouvez maintenant écrire sur une feuille le nombre 6. Super. Vous allez écrire maintenant 3. Hein? Vous allez écrire 14. Très bien. Vous allez écrire 16. Demandez à vos parents de vérifier. Je ne peux pas vérifier puisque je suis derrière l'écran. Vous allez écrire maintenant 17. 1 et 7. Super. On change. Vous allez écrire le nombre qui vient après celui que je dis. On essaye. Je vais dire 2. Et vous, vous allez écrire le nombre qui vient après 2. C'est 3. Oui, allez-y, écrivez 3. On continue. Vous allez écrire le nombre qui vient après 1. 2, oui. Vous allez maintenant écrire le nombre qui vient après 5. 6, oui, c'est ça. Vous allez écrire maintenant le nombre qui vient après 7. 8, oui, bravo. Maintenant, vous allez écrire le nombre qui vient avant celui que je dis. Vous allez écrire le nombre qui vient avant 4. Oui, c'est 3. Écrivez 3. Très bien. Vous allez écrire le nombre qui vient avant 15. Oui, c'est 14. Vous pouvez vous aider de votre bande numérique. Vous allez écrire le nombre qui vient avant 18. Oui, c'est 17. Le nombre qui vient avant 18, c'est 17. Vous allez maintenant compléter la suite des nombres. Je vous laisse faire et n'oubliez pas de m'envoyer votre travail. À bientôt !